Bonsoir, bienvenue dans cette série d'été concernant Canal+. Aujourd'hui, je vais vous parler de 20 émissions qui m'ont marqué dans l'histoire de Canal+. Alors, c'est parti! Obligatoirement, les guignols de l'info, parodie de journal télévisé, initialement créé pour pallier l'arrêt du JTN, des nuls, l'émission résulte de l'idée d'Alain Degreff qui voulait un spitting image à la française. Arnold Boiseux s'est ensuite occupé de la mise en place des équipes. Au départ, ça s'appelle les arènes de l'info. Puis les guignols de l'info en 1990. C'est lancé dès le 29 août 1988. Elles seront en concurrence frontale avec le bébé de show. Après des débuts difficiles, on va restructurer l'émission et elle va atteindre une réelle notoriété en 91 comme l'ensemble de Nulle part ailleurs. Elle va avoir un poids important dans la culture populaire française. L'émission a parfois contribué à former des images de certaines personnalités. Chirac. Son influence décline, mais néanmoins, elle va rester une des plus grosses audiences de Canal+, jusqu'à que Vincent Bolloré décide de la massacrer. Pourquoi ça m'a marqué? Le ton, l'impact que ça a sur ma vision du monde. Et cet humour. Voilà, les guignols de l'info m'ont influencé en tant qu'homme. En deux, les nuls l'émission. Alors ça, c'est une émission que j'ai vue en replay après, quand j'étais beaucoup plus vieux dans les années 2010. Alors c'est sur le modèle du Saturday Night Live. Diffusé tous les samedis à 22h, Les Nuls étaient accompagnés d'un invité, acteur qui jouait avec le sketch, et d'un invité musical, qui interprétait deux titres en live. Alors, c'est des fausses pubs, des fausses bandes-annonces, l'édition, un faux journal, présenté par Maurice Chevalier et Pénélope Zolette. Bruno Carette, qui était mort en 1989, apparaissait dans chaque émission grâce à la séquence rediff où on voyait des anciens sketchs des Nuls, Objectif Nul, Nul par ailleurs, TV 595 ou ABCD Nuls. Déjà, pourquoi ça m'a marqué? C'est déjà la qualité. Quand tu vois qu'en France, on a pu produire une émission comme ça, avec une telle qualité, que ce soit dans la production, dans l'image, dans l'humour. Putain, mais l'humour des Nuls, quoi. Les Nuls, quoi, putain, mais... Moi, si on devait choisir entre Les Nuls et Les Inconnus, c'est Les Nuls que je choisis, quoi. Les mecs sont des dieux, ils manient un humour noir, mais c'est magnifique. Le vrai journal. Produit par Michel Molesena et Carl Zéro sur Canal+, en clair, de 12h40 à 13h30. C'est un journal qui avait pour ambition de révéler ce que les autres journaux télévisés français passaient sous le silence. Il y avait des reportages journalistiques classiques, produits par l'agence Kappa, là, souvent, et des sketchs, réalisés avec trucage, auxquels participait souvent Desiderata, la femme de Carl Zéro. L'émission comprenait aussi un entretien avec une personnalité que Carl Zéro cherchait à tutoyer. Ça a été arrêté à l'été 2006, quand Carl Zéro a été viré de Canal+. Mais son audience n'était jamais démentie. Eh ben le vrai journal, honnêtement, ben la majorité des gars de la complosphère ont commencé à se faire les mains là-bas. Tous les mecs ont commencé à avoir un petit peu un éveil, un petit peu un regard critique sur ce qu'on appelle aujourd'hui la complosphère. Parce qu'aujourd'hui, penser, réfléchir et ne pas avoir le discours dominant, c'est d'être complotiste, c'est ça que je dis. Ben, on a commencé notre éveil là-dessus. C'est là qu'on a commencé à réfléchir, à se poser des questions. Et ça, réfléchir, c'est désobéir malheureusement. NPA, Nulle part ailleurs, diffusé de 18h30 à 20h30, talk show mélangeant information, musique et humour, le tout entrecoupé de séquences comme le JT, la météo, les nuls, les guignols, le cinéma de Jamel, le live, le zapping, Groland, les Robins des Bois. Bref, une très grosse machine. Pourquoi NPA? C'est la première émission que j'ai suivie. Et il ne faut pas oublier que c'était le feu. Sur le même plateau, on avait tout, de l'information, du sérieux, du moins sérieux. C'était des choses très très intéressantes à voir, c'était une émission très importante qui a permis de révéler énormément de monde, qui a aussi permis d'avoir une vision sur le monde, parce qu'il faut voir que Canal+ offrait une vision sur le monde, les parodies de Groland, les guignols nous offraient une vision sur le monde, le zapping aussi, enfin voilà, toutes ces choses-là qui ont marqué toute une génération et moi qui m'ont marqué parce que quand t'as 6 ans et que tu tombes dessus, ben, ça se coule cocotier.
Bref, créé par Kian Kojandi et Bruno Macchio, diffusé au sein du Grand Journal du 29 août 2011 au 12 juillet 2012. Alors là, bref, putain, comment vous en parlez, bref? Bah, c'est la première émission de ma vie d'adulte, avec un regard d'adulte, parce qu'en bref, arrive sous les antennes, je vais avoir 19 ans dans 15 jours. L'époque, hein, ça remonte, hein, maintenant j'en ai... Au moment où on sort la vidéo, je vais en avoir quasiment 32. Et au moment où je la tourne, je vais avoir quasiment 30. Donc ouais, c'est la première fois. Et ça apporte une vision du monde. Le héros n'est pas un héros. Le héros est juste un pauvre type qui vit sa vie. Il n'arrive rien de trop exceptionnel. Il baise à gauche, à droite, il travaille. Mais voilà, c'est vraiment une façon de tourner, une façon de faire vraiment novateur qu'on trouverait nulle part ailleurs, autre que sur Canal+. C'est vraiment un programme qui marque les gens. Les tutos. Des vidéos pour apprendre à fabriquer ou cuisiner des choses très sérieuses, le tout dans un cadre humoristique et cynique, le ton et la vulgarité assumés, tandis que l'humour est noir. Pour moi, c'est vraiment l'émission fun, quoi. C'est la parodie, c'est le retournement de tout. Parce que les tutos, c'est vraiment... Vous savez, des tutos à la con qu'on trouve sur Internet, mis par un mec, Gilles de la Tourette, qui est sous cocaïne et qui est complètement barge. Et ça, ça... C'est ce principe de l'humour, c'est tu décales comme on dit. Hein. Les visiteurs, c'est des mecs du Moyen-Âge, pouf, tu les fais au présent. Tu décales. Là, tu prends un univers un peu girly, un peu tendre, un peu gentil, avec un mec complètement taré. Et pour moi, cette émission qui est arrivée en 2014, hein, 2013-2014, et pour moi, vraiment, la dernière avec l'esprit Canal+. La dernière où tu te dis, ça sent Canal+. Formula One. Consacrée à l'actualité de la Formule 1 en marge de chaque week-end de Grand Prix. Cette émission arrive souvent le dimanche à 18h. C'est un magazine sur la compétition diffusée en clair, ou pas toujours, voilà, avec des consultants. À partir de 2016, à la suite de la création du Canal Rugby Club, Formule 1 est parfois diffusée sur Canal Plus Sport ou raccourcée pour être diffusée entre le Canal Rugby Club et le Canal Football Club. À partir de 2017, elle est plutôt diffusée avant, ça veut dire encryptée, donc c'est même pas la peine pour pouvoir voir. Donc, c'était le seul moyen pour moi de suivre la F1 de 2013 à 2017, d'avoir les résumés de course et d'avoir les informations sur la télé. Même si à l'époque, j'avais déjà commencé ma transition vers suivre mon sport favori sur Internet, parce que c'est tellement la merde pour voir la Formule 1 en France que, à un moment, tu pars sur Internet et la stratégie de nous faire payer pour voir la Formule 1, ça peut marcher sur certains, mais quand t'es un gros radin comme moi, ça ne marche pas. Le Grand Journal, du lundi au vendredi en access prime time. Et principalement en direct, excepté le vendredi. Ça reprend une partie de la recette qui a fait le succès de nulle part ailleurs. Hein. C'est-à-dire, tu auras un plateau, tu mets tout. Un invité musical, un peu d'humour. Mais, il y a une différence majeure. Il y a un invité politique tous les jours. Ce qui fait que, pour beaucoup de mecs qui étaient nostalgiques de la période MPA, on ne regardait pas la première partie. Parce qu'on s'en battait les couilles de voir le politicien vendre sa popote. Benizo va quitter l'émission en juin 2013 après 9 ans à sa tête. Elle va être reprise par Antoine Decaune. La présentation, malheureusement, ça n'aura pas le succès qu'on a eu. Bon, c'est les artistes, c'est les programmes courts, hein, le Grand Journal. Hein. Michel Denisot, je le respecte énormément, mais je m'en bats un peu les couilles des invités politiques. Surtout à la fin des années 2000, quoi. Oh, le Parti Socialiste à la fin des années 2000, ou l'UMP. Hein. Putain, quand t'invites une Nadine Morano, faut se la manger, hein. L'instant norvégien des Robin des Bois. Ah putain, quand je dis ça, putain, ça me fait remonter 22 ans, 23 ans, 24 ans en arrière. Putain, je suis vieux. Ah, c'est la capsule des Robin des Bois dans NPA entre 2000 et 2001. En effet, les Robin des Bois sont arrivés sur Canal+ en 99. Ils ont recommencé à refaire un petit peu ce qu'ils faisaient sur Comédie. Le problème, c'est qu'ils avaient beaucoup moins de liberté et beaucoup moins de possibilités de faire des trucs de taré. Donc, ils ont trouvé un truc pas mal, novateur, l'instant norvégien. Vous imaginez qu'un groupe qui joue quasiment tous les jours depuis 97, on est en 2001. Pendant 4 ans, ils ont fait quotidienne. Ils arrivent encore à se renouveler et à trouver un concept. Là, c'est un norvégien, mais ça se pissait de rire. Et moi, c'est ma première émission d'humour. Ça me faisait énormément rire à l'époque. Je ne comprenais pas tout. Je les ai regardés à nouveau. J'ai tout compris. J'ai encore plus rigolé. C'était merveilleux, quoi. Voilà. Il n'y a pas de mots à dire. C'est l'instant norvégien. C'est les Robin des Bois. C'est... Voilà, c'est ceux qui faisaient de l'humour de qualité à la fin des années 90. Groland, ah, un ensemble d'émissions autour d'un pays fictif, le Groland et son président, hein, sale en gros, hein, que la Constitution a déclaré qu'il était impossible qu'il meure. Voilà, puisque maintenant il dirige le pays, c'est dématérialisé, c'est génial. Imaginé par les équipes de Jules-Édouard Moustique.
Que dire de Groland? C'est la parodie, déjà l'état pur. T'as véritablement un retournement de tout, une mise en abîme très profonde, et l'univers de Groland. T'as tout, quoi. Michael Kull, Francis Kunz. Mon Francis Kunz, c'est mon préféré, parce qu'il est tellement dark. Ça, y a rien à dire, quoi. C'est tellement dark, il est tellement dark. Et puis, tout, la politique, comment ils ont tout traité. Tout ce qu'ils ont traité ces 25 dernières années, et comment ils l'ont traité, c'est ça qui rend que Groland est exceptionnel. Le journal du Hard, en effet, comme on ne peut pas parler de Canal+, sans parler de Fion, hein, c'est diffusé le premier samedi de chaque mois à minuit, et ça présente l'actualité du cinéma pornographique. Pour quelle raison je vous l'ai mis dans la liste? Oh, très simple. Le service après-vente des émissions quotidiennes présentées par le duo comique Omar et Fred entre 2005 et 2012. Le principe de départ de cette émission humoristique est de commenter l'actualité des derniers jours dans un format court de 2 minutes présentant de manière successive les différents personnages récurrents ou non du duo comique. Tout d'abord, c'est intégré à 20h dispétante de Stéphane Bern, puis à partir de 2005-2006, diffusé quotidiennement depuis septembre 2006 dans le Grand Journal. Le 5 juin 2012, ils ont annoncé un arrêt temporaire. On est en 2024! Et c'est là où on apprend qu'en 2023, ils refont des émissions. Mais je pense pas, parce que les deux se sont un petit peu fâchés. Parce que bon, voilà. Marcy, maintenant, il a sa vie, comme on dit. Bah, ça a marqué mes soirées dans la deuxième partie des années 2000, quoi. Hein, ouais, normalement, il y en a beaucoup à avoir fait ce principe-là. C'est-à-dire regarder Plus belle la vie, puis switcher pour regarder le SAV quand Plus belle la vie était fini. Voilà, à peu près. 20h10 pétante, diffusée quotidiennement sur Canal+, de 20h10 à 20h50, présentée par Stéphane Bern à la rentrée 2005, 20h10 pétante est déplacée le week-end, vendredi et samedi pétante, 19h10, 20h50. Principe de l'émission, Stéphane Bern s'entretient en même temps avec trois invités, confrontant leur actualité et leur vie, tandis que Cardiel Wiesmann commente les entretiens sur un ton plus humoristique. Honnêtement, commentaire, dites-moi, qui c'est qui a déjà rigolé sur Ariel Wiesmann? Enfin, rigoler de son humour, à pas cette foutue de sa gueule, dites-le moi. Ah, la raison pourquoi m'interdis pétante, je m'en bats les couilles des invités. Moi, à l'époque, j'étais très fan de Stéphane Guillon. Pour moi, Stéphane Guillon, c'était waouh, subversif, waouh, l'humour noir. Puis après, bah, j'ai remarqué que c'était une petite salope. Déjà, il a craché sur Dieudonné alors qu'il était bien content que Dieudonné lui donne de l'exposition. Puis bon, c'est une attitude, une sorte de bobo de gauche, bien pensant, qui dit qu'est-ce qui doit être le monde. Donc c'est une personne que j'ai littéralement ghost. Le porno sur Canal+, hein, le porno du mois. Eh oui, il y a le journal du Hard, il y a la suite, une fois par mois. Pour quelle raison? Putain, je me sens si sale. Salut les terriens, diffusé sur Canal+ tous les samedis à 9h10 depuis novembre 2006, a été transféré sur C8 en 2016. Au cours des deux premières saisons, l'émission se basait sur le commentaire de l'actualité de la semaine en 50 minutes, observé et analysé avec distance et décalage, avec 5 invités, une revue de presse, on a Stéphane Guillon. Rentrée 2008, 3 parties, un invité principal rejoint par 2 autres invités commentant l'actualité. Puis un témoignage, l'invité du samedi de 20h. On retrouve toujours Stéphane Guillon. En 2012, il est remplacé par Gaspard Proust. Il revient en 2015. En 2016, Baffy rejoint l'équipe et retrouve Thierry Ardisson en tant qu'humoriste de plateau. À partir de 2017, l'émission est déclinée depuis chaque dimanche de 19h à 21h, intitulée Les Terriens du Dimanche. Mais en 2019, Ardisson annonce qu'il arrête parce que bah, il n'a plus les moyens de faire comme il voudrait. Au départ, c'est frais, c'est très frais, c'est un ton Ardisson. On ne peut pas renier la qualité du travail d'Ardisson dans le monde de la télé. Bon, après, ça décline, comme toute chose. Mister Manhattan, 48 épisodes de 3 minutes, créé par Benoît Poulvord et Pascal Levrin, diffusé entre 97 et 98 sur Canal+, lors de l'émission Nulle part ailleurs, qui met en scène un personnage, Monsieur Manhattan, tour à tour, milliardaire, capitaliste cynique, écrivain, scientifique, chanteur, philanthrope, chirurgien esthétique, ou encore génie des mathématiques, exorciste, roi du Paris, carte monde, petit-fils d'une star de western, réalisateur de films. Ce personnage fantasque et parfois hystérique se caractérise par son humour noir. Mais noir, noir, noir. Là, c'est un trou noir, quoi, le machin. Son ironie cynique et sa verve sarcastique. Que dire? Benoît fucking Poulvord. Ce mec est un dieu. Ça arrive près de chez vous? Regardez ce film, il est disponible en plus sur YouTube gratuitement. Oui, je sais, c'est pas bien de le faire, mais je m'en bats les steaks.
Mr. Manhattan aussi. Vous pouvez trouver ça sur YouTube. Je vous conseille de voir ça. Vous allez rire, mais réellement rire. Hein. Ce n'est pas les humoristes aujourd'hui qui vous parlent de leurs problèmes de règles ou du fait qu'ils se font maltraiter. Non. Là, on est à un stade supérieur. Putain, 15 ans, la double VHS pour les 15 ans des Guignols de l'Info. Alors ouais, certes, c'est pas une émission, mais putain, ça est... Je l'ai poncé. Hein. Ah, je l'ai poncé, cette cassette, Vindu. Ah, mais j'ai aimé ça, quoi. C'est d'une violence, mais... Ah, tu retrouves tout, là. Tu retrouves tout, la petite saveur. Même s'il n'y a pas beaucoup des choses de l'arène de l'Info. Hein. Ah, les mecs, ils ont fait du tri, ils savaient très bien ce qu'ils ont fait les deux premières saisons. C'était pas exceptionnel, mais voilà. Les résumés de saison. À chaque saison, Canal+, met... fait un bilan de la saison qui s'est passée, mais un bilan de la saison sur la F1 avec les consultants, les pilotes, les interviews, les grands faits. Donc, pendant le confinement, ils ont été gentils, ils les ont mis sur YouTube gratuitement et j'ai pu les voir, ce qui m'a permis de me remettre à jour. Ça m'a permis aussi de revivre certaines émotions, notamment quand on parle de la saison 2014. On ne peut pas oublier Jules Bianchi. Hein, Jules Bianchi, voilà, hein, ce petit indice pour la série d'été qu'il y aura en 2025 où nous rendrons hommage à ce jeune pilote qui aurait été sûrement champion du monde si ça n'avait pas eu cette putain de dépanneuse. Mais ça permet aussi de revivre, de revoir les choses, de revoir un petit peu comment la saison a été traitée. Et c'est très intéressant. Sport reporter. Alors là, c'est des reportages de sport. J'ai pu en voir quelques-uns qui ont été diffusés en clair ou de manière pas très légite, hein, faut avouer. Hein, mais bon, à un moment, c'est Bolloré. Donc à chaque fois que tu l'arnaques... tu venges un petit peu ce qu'il a arnaqué. Donc ouais, non, c'est très bien produit, c'est très bien fait. La narration, le rythme, toutes ces choses-là sont très, très, très réussies. Et c'est très intéressant à voir. Et donc, je vous conseille réellement, je dis bien réellement, de si vous pouvez voir les sports reporters, de les regarder. Le zapping. Alors, sélectionnez, rediffusez les moments les plus drôles, navrants, émouvants ou les plus étranges des émissions de la veille. Toutes chaînes confondues. C'est une mine d'or, ce machin. T'imagines, pour moi qui est historien, j'arrive, je me sers du zapping. Il faut savoir comment les médias ont traité la chute du mur de Berlin, parce que 89, ça existait déjà, la chute de l'URSS, la mort de Sénat. Comment tout ça a été traité? Comment l'actualité a été traitée à un moment donné? J'ai un condensé. Bon, certes, influencé par le montage, mais on est toujours influencé, les historiens, par ce que la période nous a laissé. Si la période nous a laissé peu, eh ben, il va falloir qu'on fasse avec ce peu. Il va falloir qu'on fasse gaffe au parti pris et tout ça. Et il faut toujours, et toujours cette nuance de l'historien. Mais voilà. Putain, le zapping, c'est de la bombe. Et c'est très intéressant à voir. Et donc, puis même, ça permet de se replonger dans une époque révolue de la télé. Et c'est très intéressant. En conclusion, toutes ces émissions ont forgé l'homme que je suis et le youtubeur que vous êtes en train d'écouter de manière heureuse, j'espère, pas trop navrée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao !